Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison. Eh bien, beaucoup de drogues peuvent, à forte dose, provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle. Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve, comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi, mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja? Bah... Un membre de Foxhound? Non. Vous êtes sûr? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi. Qui est-ce? J'ai été fortement impressionné par votre manière de vous échapper. Vous êtes celui de la prison? Vous êtes la nièce du colonel, Meryl, c'est ça? Non, c'est pas lui. Dites-moi qui vous êtes. Je suis le taré que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul? Vous prenez pour une armée à vous tout seul? Vous n'êtes même pas armé. Votre aide a été grandement appréciée. Mais j'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez? Mon nom a peu d'importance. Ah, vous ne seriez pas Snake? Vous êtes Solid Snake? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake? Vous? Désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui. Comment? Par vos yeux. Mes yeux? Ce ne sont pas des yeux de soldat. Les yeux d'une bleue, c'est ça? Non, de très beaux yeux, pleins de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est pas à la mesure de la légende, croyez-moi. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez? C'est pas votre frère au moins? Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement? Je suis désolée. J'ai été capturée avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. C'est pas grave. Mais pourquoi ici? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe, aïe, aïe. C'est tout eux, ça. On ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Ok, Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'Armtech. C'est une base civile? Exact. Pour la mise au point de Metal Gear. Colonel. On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la deuxième génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant? Je me suis laissé dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ça me paraît bizarre. À votre avis, que veulent les terroristes? Je suis désolé, j'en suis pas sûr. Ils m'ont capturé avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu? C'est exact. C'est incroyable que les gardes ne les aient pas trouvés. Que voulez-vous? Les femmes ont plus de cachettes que vous. Vous avez vu Baker? Il va bien? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque? Ouais. Est-ce qu'il s'était malade ou quoi? Je ne crois pas, non? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait. Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear? Vous voulez dire Dr. Emmerich? Ouais. Il est encore vivant? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à ogives situé au nord, dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol? Ouais, c'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse. Vous avez raison. Il faut que le docteur détruise Metal Gear, si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake? Ça m'arrive souvent. Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le docteur? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de la porte?
5, mais c'est pas grave. Ma carte est de niveau 5. Bon, faut que j'aille récupérer le docteur. Vous devriez... Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non, pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi, et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai pensé aux balles qui allaient pénétrer les corps de ces soldats et... j'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà, je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée, corps et âme, en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant ? Quoi maintenant ? Vous lâchez ? Lâcher ? Impossible. Je ne me le permettrai pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus vils. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste. C'est ce qu'on appelle le triple combat. Tu as fait une chute d'adrénaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le triple combat à l'académie. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement si on s'en sort vivant. Bon, j'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris ? Mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Je savais bien que je gagnais à être connu. C'est ça, oui, bien sûr. Ok, Snake, je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok ? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement.